Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa tavola rotonda che introduce la premiazione con il Pardo d'Onore a Jean-Marie Straub. Mesdames, Messieurs, bienvenue, la conversation se déroulera en français, en anglais, en italien. Donc tout d'abord, si vous avez besoin d'une traduction dans une de ces trois langues, il faut prendre les écouteurs. Je vais juste brièvement introduire les participants à la table ronde en les remerciant beaucoup. L'idée, c'est vraiment de parler de l'univers de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet à travers des témoignages, à travers des personnes qui l'ont accompagné. Et Roberto Turigliatto aura la tâche de modérer cette table ronde. Vous le connaissez, il travaille avec nous depuis des années. Après, j'introduis Christophe Claver, qui a fait l'image des derniers films de Jean-Marie Straub, Dario Marconcini, qui a travaillé avec Jean-Marie Straub et Daniel Huillet sur une bonne partie de leur travail en Italie, surtout, et qui dirige le théâtre de Buti. Freddy Buach était sur la Piazza Grande hier soir, tout le monde le connaît, donc il n'a pas besoin de beaucoup d'introduction, mais je suis ravi qu'il est avec nous. Renato Berta, lui aussi un compagnon de route de Jean-Marie Straub et du festival depuis longtemps. Giovanna Daddi con Dario Marconcini. Avec Dario Marconcini, ils ont travaillé avec Jean-Marie Straub. Giorgio Passerone, qui connaît le travail de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet depuis longtemps et qui a collaboré dans les derniers films, tout spécialement. Et Astrid Hofner aussi, elle a été actrice dans un film de Jean-Marie Straub et connaît le travail de Jean-Marie Straub. Comme vous voyez, Jean-Marie, aujourd'hui, n'est pas avec nous, mais il est à Locarno. Il sera sur la Piazza Grande demain pour la remise du prix du Pardon d'Honneur, qui est vraiment un grand honneur pour moi. Je dois aussi dire qu'il était prévu une autre personne à cette table, en Sourche. Malheureusement, comme vous savez, il n'est pas avec nous et le festival lui rendra hommage demain dans une séance de projection. Mais avant d'entamer de vous laisser la parole, je voulais quand même le rappeler parce que c'est un compagnon de route, un collègue. Et je vous laisse la parole. Merci. Mais quand j'ai accepté de modérer cette table ronde, j'ai tout de suite imaginé un hommage à Jean-Marie de la part de gens qui ont travaillé avec lui, d'amis, qui puissent être ici avec un signe d'admiration, même d'affection, et pas vraiment une table ronde du point de vue critique. Comme vous savez, sur Jean-Marie Straub, il y a une grande littérature, et je crois que le fait que nous sommes là, c'est plutôt pour des raisons de collaboration avec lui, de travail commun, d'amitié. Et je crois que, à mon avis, c'est un peu cette manière, cette démarche qu'on pourrait avoir aujourd'hui ici entre nous. Personnellement, je crois d'être là parce que j'ai été quelqu'un en Italie qui a montré les films de Jean-Marie pendant longtemps. J'ai connu Jean-Marie et Daniel dans les années 70. Et je faisais un petit ciné-club à Turin. Et à partir de là, nous avons eu une longue relation dans laquelle je me suis efforcé de montrer les films de Jean-Marie dans les différents contextes. C'était le petit ciné-club très modeste que je dirigeais à l'époque, après le Musée du cinéma de Turin, après le festival et surtout, à un moment donné, la télévision italienne. Et là, je veux dire deux ou trois mots parce que je crois que notre programme Fuori Orario, dirigé par Enrico Ghezzi, qui n'est pas là, mais qui a fait beaucoup pour que le film de Jean-Marie soit vu à la télé, si ce programme a eu un sens d'exister, c'est justement parce qu'on a pu programmer les films de Jean-Marie. Et dans tout ce travail de programmation, je me suis rendu compte que j'ai toujours considéré Jean-Marie et le travail de Jean-Marie et de Daniel comme des cinéastes classiques. J'ai jamais montré les films de Straub dans des contextes de cinéma contemporain, de nouveau cinéma, de cinéma des années 60 ou 70, mais toujours avec des classiques.
Et ce qui a été épatant pour moi, c'est de voir que quand j'ai organisé la rétrospective complète de Strobuyer au Festival de Turin avec Enrico Ghezzi, on avait proposé à Jean-Marie et Daniel de montrer avec leur film, pour chaque leur film, un film de leur choix, c'est-à-dire de créer des correspondances entre des films. Et ils ont fait un choix que je trouve encore aujourd'hui magnifique, avec des films classiques. Et donc, je dis deux ou trois possibilités. Par exemple, Autumn, c'était avec Big Sleep de Hawks, Nicht versöhnt avec Gertrude, Dans la nouvelle la résistance avec The River de Renoir, Sicilia avec John Ford, The Grapes of Wrath. Et il y avait deux seuls cinéastes, disons, plus contemporains dans ce choix de Daniel et Jean-Marie, et c'était Jean-Luc Godard et Peter Nestler. Et ça m'a fait réfléchir, en fait, parce que, en fait, moi, je vois les films de Strobuyer avec les grands classiques du cinéma. Je ne vois pas... Toute leur œuvre est déjà... dépasse complètement le cinéma des années de ce qu'on a appelé la nouvelle vague, du cinéma moderne et contemporain. Ça, c'était un peu notre idée de programmation. Et bien entendu, dans ce travail que j'ai fait avec eux, j'ai appris beaucoup, surtout sur le plan de projection. Ils étaient très sévères, ils contrôlaient toutes les projections qu'on faisait dans le cinéma. C'était une époque dans laquelle la projection en Italie était complètement nulle, on ne respectait pas les cadres, etc. Donc ça a été une leçon incroyable pour moi de programmation, d'apprendre qu'il faut que même programmer le film, c'est un peu l'acte final de la longue démarche du film, et que cette projection doit respecter tout le travail qui a été fait avant. C'était une leçon morale que j'ai appris de Daniel et de Jean-Marie, et que je crois que ça a été très, très important pour moi. Et donc, c'est un peu ça que je voulais dire au début. Et enfin, le fait que ce film, vu à la télévision, était quelque chose qui apparaissait comme des purs diamants, des pierres qui vraiment cassaient complètement le flux indifférencié de la télévision. Je crois que la force que les films de Jean-Marie et de Daniel, qui sont connus en Italie surtout grâce à notre programme, a été très puissante à l'intérieur de quelque chose qui apparemment est exactement le contraire de leur travail. Donc, dans cette programmation, on voyait que les films de Jean-Marie et de Daniel étaient bien plus puissants et plus forts de ce qui les entourait dans ce flux télévisuel continu dans lequel nous vivons en permanence. Et malheureusement, on a dû interrompre l'achat des films il y a quelques années parce que ça est devenu encore plus difficile aujourd'hui de travailler à la télé et montrer certains films. Mais je suis content de dire ici qu'on va programmer dans les prochains mois Communiste, qu'enfin on a pu acheter. Et donc c'est un peu quelque chose qui nous donne de joie et qui nous fait imaginer encore une possibilité de programmation dans ce contexte italien très, très mauvais dans lequel nous vivons en ce moment. Je ne rajoute pas plus, mais je voudrais bien peut-être demander à Freddy Buach s'il veut intervenir en premier pour dire son rapport à Jean-Marie. Écoutez, c'est très compliqué. Locarno représente... Je connaissais Jean-Marie et Daniel déjà de Paris. Ils avaient montré des films, un ou deux, à la Cinémathèque. Mais enfin, à un moment donné, ils sont venus à Locarno. Locarno, Daniel, Jean-Daniel et Jean-Marie,
Et puis, ce moment-là, je crois que j'avais passé les premiers films allemands de, probablement, notamment Nichtfersen, et tout à coup, je leur ai dit, mais vous devez rencontrer quelqu'un qui vous sera très utile, j'en sans doute. Et le mot que vous avez utilisé, c'est le mot important de toute cette réunion, c'est le mot affectivité. Le travail que nous avons à l'égard de ces deux cinéastes, c'est un mot très important, l'affectivité. Moi, le cinéma, j'en ai connu beaucoup de gens, mais enfin, deux, il n'y en a pas beaucoup dont je dirais qu'ils procèdent de l'affectivité. Et l'homme qu'ils ont rencontré à Locarno, c'était Renato Verta. Et la carrière de Renato a commencé à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est un moment... J'ai de la peine à parler de ça aujourd'hui parce que tout ce que je peux dire est quelque chose de tout à fait intime. Il n'y a pas dans le cinéma, à part quelques exceptions, et encore, de gens qui peuvent arriver à leur niveau. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de mise en scène. C'est une question de rapport au monde. Et, parce qu'ils pensaient, ce qu'ils pensaient, ils avaient envie de le dire, et ils ont toujours trouvé les moyens de le dire. Ça, c'est la force exceptionnelle. C'est des gens qui sont contre l'industrialisation du cinéma aujourd'hui, qui est pire que jamais. Le cinéma n'existe, à mon avis, plus. Probablement plus. Le seul, c'est peut-être encore Jean-Luc, qui, dans sa cave, est en train de préparer un film. Peut-être, à Rôle. Alors, ils sont deux à Rôle, puisque Jean-Marie est pris en charge par Barbara, que je salue ici. Mais moi, je ne peux pas dire de deux autre chose que cette histoire de ma vie à travers eux, à travers de gens comme Renato, dont j'ai suivi toute l'œuvre et qui me suivra tout le temps. Voilà. Moi, je ne peux pas dire grand-chose pour le moment, en tout cas, à part ce qui sera dit en attendant. Voilà. Pour mon départ, c'est ça. Toi. Renato, je crois que ton premier film avec Jean-Marie et Daniel, c'est autant... Oui. Alors, donc, mais dont le responsable, effectivement, c'est un peu Freddy. Je crois qu'on s'était connus, d'ailleurs, pas à Locarno, mais à Soleure. Voilà. Les premiers films que j'ai vus, c'était Nichtfersen, lors d'un hommage qu'ils avaient fait à Soleure, à l'époque, quelle année c'était 69, je crois. Ouais, je ne sais plus très bien. Bref, mais en tout cas, j'avais déjà fait des films, comme on dit dans la hiérarchie du cinéma, comme chef opérateur. Et c'est vrai qu'à un certain moment, Jean-Marie me dit, ouais, bon, ben voilà, on va tourner un film à Rome, est-ce que ça t'intéresse et tout. Et je dis, comment ça m'intéresse, mais c'est quoi qu'on filme et tout. Bref, et petit à petit, il me raconte un peu Corneille. Je dis, ah bon, Corneille, pour moi, c'était la Lune. Enfin, je savais qu'il existait, mais c'est vrai que je ne suis pas un grand lecteur de Corneille. J'ai jamais été. Bref, et petit à petit, il me parle un peu de qu'est-ce qu'il voulait en faire de cette pièce de Corneille. Et c'était quelque chose qui m'intriguait de plus en plus. Et de là, j'ai accepté effectivement de faire marche arrière dans ma carrière, de faire ce film comme assistant opérateur. Et il y avait Ugo Piccone qui était le chef opérateur. Et voilà, je me suis retrouvé sur ce film. Que pour moi, c'était comme atterrir... sur la Lune, parce que je trouve, d'ailleurs, je dis tout le temps ironiquement à Jean-Marie et à Daniel aussi, que pour moi, c'est le seul film comique qu'ils ont fait, parce que je trouve qu'il y a une dimension comique dans Othon absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lecture à plusieurs niveaux de ce film. Et je trouve vraiment...
vraiment intéressant, quoi. Je dis, encore aujourd'hui, je pense que c'est un des films les plus intéressants. Jean-Marie m'a toujours dit que c'était le film préféré de Daniel. Et cela, ça m'a fait énormément plaisir, quoi. Je dis. Voilà, et là, ça a commencé toute une série de films que j'ai tourné après, évidemment, comme chef, disons. Et le premier, je crois que c'était Leçon d'histoire. Oui, c'était Leçon d'histoire. Après, hop, j'ai fait toute une suite de films. Et parmi ces films-là, il y avait un que, par contre, je n'ai pas fait, que je regrette énormément de ne pas avoir fait, pour toute une série de raisons. C'est le Schoenberg, le Moïse et Aaron, qui vraiment m'intéressait pour toute une série de raisons, notamment le rapport à la musique. Bref, voilà. Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre la parole. Oui, peut-être on peut revenir après sur ton travail, disons, sur la photo avec eux, comment tu travaillais avec eux. Oui. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais c'est un peu long. Il faut rentrer un tout petit peu plus sur les procédés de fabrication, de comment certains plans naissent, les heures qu'on a passées pour cadrer, par exemple. Je dis, le fait de faire un cadre dans les films de Jean-Marie, ce n'est pas quelque chose d'anodin, et c'est quelque chose de très, très, très profond et en même temps extrêmement pragmatique. Mais enfin bref, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à ce sujet, ben, on peut développer. Oui. Mais c'est quand même très lié à la fabrication. Hein. Mais tu as vu une évolution ou un changement dans... Tu as travaillé longtemps avec eux. Ah ben énorme. Énorme. À fur et à mesure qu'on avançait dans son œuvre, par exemple, les points de vue, qui est quand même très important, les points de vue, ils devenaient de plus en plus petits. Enfin, il y en avait de moins en moins de points de vue en mettant au centre de plus en plus un seul point de vue. C'est-à-dire que dans Othon, par exemple, il y a des plans, c'est très baroque comme film, il y a des plans fixes, de travelling, de trois plans à l'épaule, et à fur et à mesure qu'on avançait, les derniers films qu'on a fait ensemble, la caméra, elle était posée dans un endroit, passé une demi-journée pour trouver cet endroit, mais après, tout était filmé du même endroit, avec d'autres focales et de toute façon, on avait d'autres grosseurs de plan. Voilà, c'est grosso modo, c'était ça la trajectoire. Pour moi, c'est le point de vue qui a vraiment fondamentalement changé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jean-Marie a accepté de travailler, pas en pellicule, mais... En numérique. En numérique. Toi, tu l'as un peu encouragé dans cette direction? Oui, Daniel, elle a toujours défendu le fait que leur plus grand privilège, c'était de tourner en pellicule. Elle a toujours théorisé ça et tourné notamment beaucoup de prises. Dans les films de Jean-Marie et de Daniel, on faisait vraiment beaucoup de prises. C'est-à-dire qu'on arrivait à 50 prises tranquillement, sans trop souvent, quoi. Enfin, souvent, pas tous les jours, mais disons qu'une vingtaine de prises, on avait. C'est-à-dire que Daniel, elle écoutait les prises au son et il y avait des décisions sur quelle prise tirer ou pas, sur la base de ce qu'elle entendait, elle. Attends, j'ai perdu le fil, là. On parlait du passage au numérique. Ah, au numérique, au passage numérique. Le passage numérique, donc n'oublions pas que c'est venu après le décès de Daniel, et on a tourné avec le... Pas tout à fait vrai, très d'atout. Non, vas-y. Non, le passage au numérique, ça a été Europa 2005, et c'était juste avant la mort de Daniel. C'était Jean-Claude Rousseau qui avait prêté sa caméra, et c'était une commande de la Rai Tré, d'ailleurs. Oui. Et où Jean-Marie et Daniel avaient voulu faire... où Jean-Marie, comme d'habitude, a dit « Non, moi, je ne vais pas faire ce film, j'ai aucune idée. » Et puis, d'un seul coup, il y a eu la mort de ces
de gosse à cause d'une poursuite avec des policiers. Et il m'a demandé d'aller voir l'endroit un peu. Et sachant que Jean-Claude Rousseau avait une caméra numérique, on est ensuite allé filmer cet endroit. Et c'était le passage au numérique, ça a été une chose occasionnelle. Sans vraiment, parce qu'il y avait une simplicité de pouvoir filmer, tout simplement. Oui. Alors, moi, naturellement, je pars du passage numérique par rapport à moi, excusez-moi. Première chose. Et deuxième chose, par rapport au fait qu'il soit dit un choix et pas quelque chose dicté par les circonstances. C'est dans ce sens-là, évidemment, tu as raison de souligner ce fait-là. Si tu veux, le premier qu'on a tourné, c'était ensemble, donc c'était le Somma Luce, qu'on a tourné avec un numérique, disons, lourd. C'est-à-dire un numérique qu'on peut définir aujourd'hui très chic. Enfin, un numérique. Et c'est le premier film qu'on a fait en numérique. Mais bon, pour moi, le passage au numérique, c'était pas... pour eux, c'était pas... Enfin, pour lui, c'était pas quelque chose de très fondamentalement différent. Tu vois, il n'a pas changé... Pour moi, numérique, enfin, je le défends plutôt comme un support et pas comme quelque chose de avec tout ce qu'il y a de positif et négatif de ce support. Hein. Parce que là, les parenthèses, ils sont très larges et très compliquées. Mais pour moi, ça reste un support, quoi, c'est tout. Donc, si tu veux, le rapport qu'il avait aux images, aux cadres et tout ça, c'était tout à fait... Ça ne changeait rien, disons, grosso modo, voilà. Christophe, vous voulez parler de votre... Vous êtes aussi... Non, par contre, Christophe, il en a fait beaucoup plus en numérique. Votre... Non, mais du coup, je peux un petit peu ouvrir sur cette histoire du passage au numérique. De mon point de vue, de ce que j'ai cru en voir en travaillant avec Jean-Marie, c'est que c'était un choix avant tout de légèreté et un choix économique, puisqu'il n'y avait plus Daniel pour porter une structure de production et une recherche de financement très lourde, et que Jean-Marie avait absolument besoin, envie de tourner, et que le numérique s'est présenté là comme une manière de pouvoir continuer les choses sans avoir à se poser de questions de financement dans un premier temps. Pour ce qui est de mon intervention dans les films de Straub, elle est arrivée un petit peu par hasard un jour où j'ai donné à Jean-Marie un film et où on est resté en contact. Et ensuite, donc, avec ce film Repas 2005, où j'ai un peu participé avec Jean-Claude Rousseau et Daniel, on était quatre pour filmer cette chose, enfin ce film. Et ensuite, Jean-Marie, sachant que j'avais une caméra, m'a demandé de filmer Corneille Brecht, dont il ne savait pas du tout si ça allait faire un film ou non, et qui voulait filmer comme ça chez lui de manière très informelle. Et c'est comme ça qu'a commencé une collaboration qui dure depuis une petite dizaine d'années. Après, pour revenir à ce que disait Renato sur la construction des plans et sur la simplification du point de vue, en effet, moi aussi, j'ai l'impression, je connaissais le travail de Jean-Marie depuis quelques années quand je l'ai rencontré, et j'ai en effet l'impression que Jean-Marie est allé de plus en plus vers une simplification et une épure. Et que c'est un peu comme ça que j'ai pu voir, même sur le travail en vidéo, une évolution. Ensuite, sur ce qui est de la construction des plans, pour parler de manière générale, ce qui est un peu compliqué, parce que le travail avec Jean-Marie, comme le disait Renato, et la construction des plans, c'est quelque chose de toujours très concret, lié à un lieu, à un texte préexistant.
c'est dans la construction du cadre, à chaque fois, trouver une sorte de point de rupture où on est. Et là, mon sentiment, c'est là où on est assez proche de Cézanne, c'est de trouver l'endroit où l'équilibre bascule quasiment, et où tout se casse la gueule, mais où justement tout se casse pas la gueule et où ça tient, mais on est au bord du précipice à chaque fois. Je ne sais pas si Renato est d'accord avec ça ou... Renato ne dit rien. Non, j'ai vécu des choses un peu différentes dans la mesure que toi, tu as vécu ce passage-là, enfin, cette évolution un peu plus tard. Moi, c'est vrai que par rapport tout au début, où Daniel jouait un rôle quand même essentiel, n'oublions pas que Daniel, j'ai quand même assisté à des moments assez colorés, des rapports entre les deux, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, Daniel rapprochait à Jean-Marie. Jean-Marie, vous avez toujours dit que vous étiez plus intéressé au son qu'à l'image. Ce n'est pas vrai. Vous passez des heures pour faire un cadre. Et on se faisait engueuler par Daniel parce qu'on passait des heures à faire un cadre. Toujours mouru un peu comme ça et tout. Mais n'empêche qu'on est passé ces heures pour faire un cadre. Et c'était quelque chose de vraiment intéressant quand on cherchait quelque chose. Et c'est vrai qu'on... Des fois, on cherchait quelque chose, mais qu'on ne savait pas très bien qu'est-ce qu'on allait trouver. C'est-à-dire que sans arrêt, on bougeait la caméra un peu à gauche, un peu à droite. Ah non, c'est pas bien, on revient un peu à gauche. Et si on monte un petit peu, non, on descend. Enfin, et ça pouvait durer des heures. Mais c'est vrai aussi que si tu trouves un intérêt au moment que tu fais ce genre d'activité, si tu trouves un intérêt, c'est quand même formidable. Mais ça, je pense que ça n'a jamais vraiment changé, dans le sens où nous, même sur les films en vidéo, on allait repérer l'endroit, on décidait d'un cadre, on y passait du temps à tout ça, et puis évidemment, au moment de tourner, tout changeait, et parce que les choses avaient travaillé intérieurement et qu'ils trouvaient autre chose, et on repassait du temps à... Et puis les choses sont jamais les mêmes. Donc, enfin, dans un paysage, les choses changent tout le temps avec la lumière, avec l'acteur qui est là, ou alors qu'il n'y était pas au repérage et tout ça. Et du coup, on trouve autre chose. Et pour parler ensuite du travail de montage, puisque j'ai fait l'enregistrement des images et le montage. Dans le montage, c'était un peu retrouver, toujours chez Jean-Marie, travailler sur quelque chose de la contradiction ou de, de chercher ce qui a priori n'est pas là et pas là où chercher quelque chose qui n'est pas là où on le pensait ou enfin de détruire les clichés quoi. Et enfin voilà, c'est... Merci. Et il y a ici des acteurs de Jean-Marie, acteurs professionnels ou non professionnels, ça n'a aucune importance. Et je crois que on pourrait demander à Astrid, si vous voulez nous raconter votre expérience avec Jean-Marie, je crois que vous avez connu Jean-Marie au Schaubühne et à Berlin pour la mise en scène de Antigone en 92, si je ne me trompe pas. We met each other a little bit before the war in Berlin, before the war was breaking. No, it was a little bit after, about 1999. No, I'm a little bit disturbed. But we met each other on the film school I went in the DFFB, and they were giving a kind of seminar. And as you know, Jean-Marie and Daniel, they would not just hold lectures, but they were preparing, as you mentioned, Antigone to do the play on the theater in the Schaubühne in Berlin, and put
peu de afterwards to do the film in Sicilia and Gesta. And I came very late to the seminar, and it was very strange because when I entered the room, the whole school was there, all the students were there, and I had, and then it was already finished, and Daniel left the room for do some copies outside, for the copies, and Chamari, after 3 minutes, he asked me, do you live in Berlin? And I said, yes, I live in Berlin, for this, because I attend the school. And then he said, in front of everybody, he said, do you want to be Antigone? And I just arrived with a leather jacket and dark hair, and I didn't know what he was talking about. And I said to him, ah, oh, you didn't hear me speak in German, because I have a German, an Austrian accent. And then he smiled at me and he said, oh, let this be. I will care about that. And so Danielle, she came back from, everybody left because it was over, the lesson. And then Danielle came back from her work, from doing photocopies. And then she said to my friend who accompanied her, friend of mine, she said, you know, this is our Antigone. And they didn't talk to each other. And then she said to my friend, a friend of mine, she said, because, you know, Chamari is always talking and he doesn't see. And so when she came back, I was already in a little corner with Chamari, and I already had the script from Antigone. And he already tried to I had my first scene. Schwester ist meine, Zwillingskreis, aus des Oedipus Stamm, weißt du etwas? And it was Höllele in text, and I'm like legasthenic. And of course I was nervous, I was not prepared at this. And then they both realized that they had, despite they didn't talk to each other, they had the same idea. So, and after, I don't know, half an hour, they just put me in their car with all the cats and the dog, and that was it. And then, of course, a very, very deep friendship began. I was a little bit, they treated me a little bit like their daughter. I was very young. And because for Danielle, and she told me for, I think, more than 3 months during rehearsals, how happy she is that they found me, because everything, the whole production was already set up with a big company, like, it was a big film for Antigone, for them, and they said it was so terrible because it was all set up, but the only thing that was missing was Antigone. And I went to Rome, and we did the first rehearsals in Rome, and I would always ask them, how did your love story begin? And Daniel would come with a box of photographs, and they would show me photographs. And in the evening after rehearsals, Daniel was always sitting on the floor, and Chamari was sitting in his chair, always smoking my cigars. In the evening, Daniel would cook. She learned me a little bit of cooking, how to put the oil and do the herbs in it and just leave it a little bit warm in warm oil. And then I would sit on this sofa where they shot the Lichtspielszene, Einladung in eine Lichtspielszene, where you can see Daniel with the cat. And we would listen to Bach cantaten. And she was just sewing, you know, all the holes that Chamari burned in his skirts with his micerate, because very often they made holes, you know, he would always go around, you know, the house, and the cats were everywhere,
Then he would bring me my hotel. I had the cacao, and then he had the Verna. So we had a nice time, but it was difficult to do the rehearsals in Berlin because, of course, the actors from the Schaubühne, they were all professional actors, and they were not at all used to this kind of work. And this was for Jean-Marie and Daniel often extremely complicated, and there were sometimes really, yeah, it was really difficult because they normally didn't work all the time with professional actors, and so I was a little bit like their not child, but I was from the film school. I was not in an acting school, and so we had wonderful time together, always after rehearsals, having a little drink and going back to my place, or they went to the hotel. And I learned, of course, for me it was the same. Immediately I fall in love in the first seconds with both of them. And Daniel would be extremely tender with me. And she's always been, and I love them a lot. They were like a little bit, you know, my self-chosen parents. And of course I learned a lot of them. I was very young, and then we went to Sicily, to Segesta, and I must admit it was one of the most wonderful times I ever lived through. It was very hot, there was the Scirocco, it was like you know, hair dryer, but Daniel would always stand there and give me an umbrella during the takes, and as Renato said, we did sometimes a lot of takes, yeah? And we had wonderful time together, and I was with my sister, my brother was an assistant there too, and I thought, it's so incredible to be so happy and so lucky, and you get paid for that. And in the evenings, and Hans Hurch, which I got to know on the set, which we fell in love during this time, in the 6 weeks. And since then we were together. And Jean-Marie always told, and Daniel said, take care of Astrid in the evenings, because she should not drink too much and she shouldn't smoke too much to be ready for the next morning. He never succeeded, yes. Because I would drink and sing with the waiters in the cafe, and so, but we managed, and they impressed me so much that and when I fell in love with Hans Hurch, we were so close also because of the relation he had to Jean-Marie and Daniel, and he was like, you know, he had a very good he reminded everything, so he could always tell me everything that Jean-Marie and Daniel ever said. So he moved to Berlin. I lived in Berlin, then Hans Hurch moved to Berlin, and Jean-Marie and Uschi, they very often, when they were in Berlin, they visited me in my apartment. We would cook, and we would be in Rome, and so we had. And I learned a great deal of them. For me, it was very difficult to make my own films after this rencontre, because I always had in mind, what would Daniel do? What would Daniel say? And I love them dearly and above everything. So this is the only thing I can say. I love them, and I learned so much from them, and I met my big love of my life. Thank you. Grazie. Lascerei la parola a
questo punto a Giovanna Daddi e a Dario Marconcini. Anche loro hanno lavorato come attori con Jean-Marie, hanno avuto un rapporto di amicizia molto lungo, hanno un rapporto di amicizia. E loro rappresentano anche tutto il mondo di Buti, che è stato importantissimo e bellissimo per un lungo periodo del cinema di Jean-Marie. Teatro di Pontedera, sì, teatro, sì, di Buti. Tra l'altro con Astrid e Urs ci si incontrava sempre, quasi tutti gli anni, a partire da Sicilia a Buti. Era il ritrovo più bello e credo che per tutti noi è stato, sì, uno dei ricordi bellissimi che abbiamo di sì, questa avventura. Se noi dobbiamo a Jean-Marie e a Daniel, diciamo, un periodo fra i più belli della nostra vita. Ho avuto la fortuna di conoscere Jean-Marie una volta, che era venuto a Buti dopo la presentazione della Nube alla Resistenza, e era già passato un po' di tempo. Allora gli proposi, perché stavo lavorando su Elderlin, gli proposi di portare i suoi film a Buti in una piccola rassegna. In occasione di quella rassegna, che ebbe un bel successo per un piccolo paese, comunque ebbe un bel successo, invitai Jean-Marie, se voleva, a venire tutti gli anni da noi per un periodo di tempo per preparare un suo lavoro e farci, se possibile, un film e uno spettacolo teatrale. E da lì è nato tutto un periodo, il periodo di Jean-Marie, legato a Vittorini e a Pavese. Io ho avuto la fortuna di lavorare in 3 film di Jean-Marie e così Giovanna in 4, devo dire. E abbiamo cominciato con Sicilia, che è stata l'esperienza più straordinaria, perché Jean-Marie all'inizio ci ha chiesto di cercare i siciliani che abitavano in Toscana, nella zona, nella provincia di Pisa. E questo è stato un lavoro da parte di noi, che avevamo la direzione del teatro abbastanza, cioè, facile e difficile. Però improvvisamente abbiamo visto che in quella zona c'erano moltissimi siciliani che nessuno sapeva. E sono venuti in teatro e Jean-Marie li guardava, non è che faceva i provini, li guardava appena, diceva te così, prova, tira su il capello, eccetera, piccole cose, e immediatamente hai capito la forza di quest'uomo e la forza di questa donna. Ma per quanto mi riguarda a me come teatro, che io facevo già teatro da un po' di tempo e il nostro lavoro era sempre stato un lavoro sul teatro d'avanguardia, sul teatro di improvvisazione, su un teatro, diciamo, fuori dai teatri, Jean-Marie ci ha riportato al lavoro sul testo, a come affrontare un testo, a come a leggere la frase del testo e a come trovare le pause, che lui chiamava respiri, fra una frase e l'altra. E questo è stato importantissimo. Improvvisamente il testo di Jean-Marie, che è ad esempio il testo in questo caso di Pavese su cui ho lavorato, che rimaneva esatto come parole, non c'era una parola cambiata, però c'era una forma, diciamo, strutturale completamente cambiata, e c'era la frase era trattata come possiamo dire, come una partitura musicale. Alla fine di ogni frase lui ci dava dei tempi che erano segnati da delle piccole aste, come se fossero delle, che lui chiamava respiri. In quel caso non c'era più la parola pausa, che è una vecchia parola del teatro, ma c'era il respiro. E c'era il respiro che per noi era divenuto poi una forma, diciamo, di soffio vitale, qualcosa che dava vita alla frase che finiva e alla frase che cominciava. Per cui c'era tutto un lavoro sul testo straordinario. C'era il momento in cui la parola doveva essere più alta, più bassa, e poi c'era il respiro, poi c'era il campo lungo, poi si batteva come fosse, dice, batti il piede come battere l'organo. Tum. Improvvisamente la frase acquistava. Ecco, Jean-Marie è stato un grande maestro, probabilmente per quanto mi riguarda precedente a quello che era il momento delle riprese, il momento del questo lavoro di 3 mesi precedente è stata una lezione di teatro per me, di teatro più che di cinema, straordinaria. Tanto che poi abbiamo provato noi anche in qualche modo, molto banale probabilmente, ma anche molto
sincero, di applicarlo ad altre cose è molto difficile. L'ho provato in un Dante che ho fatto poi con una compagnia professionale italiana. Io debbo questo a Jean-Marie, una grande lezione, un aiuto in tutto. Poi dopo ci sono tutti gli altri casi che sono il rapporto umano, il rapporto con Jean-Marie e Daniel, il rapporto di amicizia profondo, ma a livello teatrale questa lezione di teatro è stata qualcosa che ha stravolto proprio la visione. Poi l'altra cosa importante, non si parlava mai con lui, io parlo di teatro in questo momento, di personaggio, si parlava soltanto di scansione e di contare un, due, tre. Una volta sola mi ha detto: fermati, attimo, sei bello, cioè il momento, l'unica frase di Goethe che lui ha provato in un momento in cui dell'interpretazione. Mai si è parlato di personaggio, mai si è parlato si parlava sempre di dire precisamente la parola, di alto, di basso, di respiro, mai di personaggio. Per cui c'era un cambio totale rispetto al modo di fare teatro che normalmente noi conoscevamo. Per cui sì, si può parlare di un modo brechtiano, ma secondo me è qualcosa di nuovo e di diverso. Non è soltanto lo straniamento brechtiano che possiamo applicare attraverso Jean-Marie, ma è un qualcosa di nuovo che secondo me varrebbe la pena proprio, non so se studiarlo o darlo come un sistema nuovo di affrontare un testo. Questo per me è la grande lezione di Jean-Marie. Poi a parte tutto il resto, tutto il modo, come si stava, ad esempio lo stare, la postura e lo sguardo. Cioè con Jean-Marie di nuovo si è ritrovato il momento dello sguardo, lui ci dava a noi due o tre punti soli da vedere su cui il nostro sguardo doveva essere. E il momento in cui da uno sguardo, diciamo, a destra, improvvisamente si doveva guardare verso il fondo, era come uno shock emotivo profondo, era un cambio totale, un qualcosa che ti stravolgeva, entravi in un altro mondo. Per cui con lui non hai il personaggio, ma hai delle visioni. Hai il momento in cui la visione diventa qualcosa di straordinario e che porta l'attore ad essere dentro nei mondi che solo tu puoi vedere, che solo attraverso questa mano del regista ti ha portato a vedere delle cose straordinarie e delle cose che sono nella natura, che non sono nell'immaginazione, ma che sono nella natura. Questo si può dire. Grazie. E Giovanna, tu hai lavorato con La Madre, L'Inconsolabile, Le Streghe, Quei loro incontri. Sì. Ho fatto quattro film con Jean-Marie, uno con Daniel e gli altri purtroppo senza Daniel. Abbiamo detto tutto. Lei ha parlato benissimo del lavoro con Jean-Marie e Daniel. E cosa posso dire in più? Ecco, la gioia dopo ore di prove, perché sono due righe, ci stava anche due, tre ore, la gioia dentro. Cosa che in genere quando faccio teatro poi c'è sempre frustrazione. La gioia. Anche se Daniel su quel testo faceva tutti i righi, dove gli sbagli, controllava ogni accento, e questo era per me una cosa sconvolgente, perché due persone non di lingua italiana che riuscivano a percepire un accento sbagliato, una parola pronunciata non bene, era qualcosa che mi stupiva continuamente. Dicevo, ma come fanno? E mi ricordo Gli occhi severi di Daniel. E quando Jean-Marie mi diceva bene, bene, e invece lei diceva no. E quando lei diceva sì, era una gioia infinita. E poi mi ricordo la prima volta sul set che io mi sono chinata e ho strappato un arbusto in terra e ho visto che tutti si sono fermati
e che hanno detto no, cioè, e hanno riaccomodato questo arbusto perché l'inquadratura prima era fatta, c'era questo foglioline e io l'avevo strappata e non si poteva. Perciò quando occupavo il mio posto sul set, che dovevo fare tutto un giro dietro a questa pietra su cui mi avevano incastrato e arrivarci tutto di fianco, perché guai se lasciavo un segno di un passaggio. Ecco, posso dire. Perché non ci parli del tuo mal di schiena, delle ore stesse? Ecco, io poi mi sono abbandonata totalmente a loro. Stavo a ore. Il primo film, quello rincontri, sotto un sole cocente, attaccato a un albero, per ore. E mi ricordo che avevo una maglia di un tessuto sintetico. Molto interessante. E sudava e si macchiava. E Daniel mi disse, no. E sono riuscita a sudare solo dietro nella schiena e davanti era perfetta. Come ho fatto? Non lo so. Nel film Le streghe mi avevano incastrato in un pietrone con l'acqua. Ero sempre in questa acqua. E non so come faceva a stare in questo pietrone, perché poi era piccolissimo. In questa posizione scomodissima, a ore, e quando mi alzavo, un dolore terribile, però poi dopo, al secondo ciak, passava tutto. Non so perché, questa è la magia. Basta, non so cos'altro dire. Sono felice di aver lavorato con queste persone e mi hanno dato tanto. Grazie Giovanna. Tra l'altro c'è una frase molto bella che avevo letto in un'intervista in cui dicevi che Jean-Marie Daniel ti avevano insegnato che nella recitazione il ghiaccio e il fuoco possono andare insieme, stare insieme. Ghiaccio e fuoco possono stare insieme, è vero. Ghiaccio bollente era la frase. Chiederei a Giorgio Passerone se vuole intervenire. Lui è l'interprete di Osso Maluce, è anche uno studioso di letteratura italiana e di filosofia, ha anche scritto dei libri su Jean-Marie Straub e Daniel Huillet, e ha collaborato con Jean-Marie in modo importante negli ultimi io anni. Io sono un nuovo strubiano, nel senso, sono un neofita di fronte a tutti questi qua, nel senso da 10 anni, però sono 10 anni molto intensi. Per rivenire a un aneddoto, e poi vorrei cambiare tono, perché mi sembra che qua poi altrimenti arriviamo troppo, ci malinconiamo un po'. L'aneddoto, anch'io sono l'aneddoto, e lei lo sa benissimo. Ah, je parle français, italiano, giapponese. Ho dimenticato, no, lingua straniera. L'aneddoto comunque è legato a Osso Maluce, che poi vi racconto come è nato questo Osso Maluce, e perché anch'io ho sofferto le pene dell'inferno, cioè del paradiso, su questo prato, cioè avete visto il film, su questo prato della località Saracino, vicino a Butti, dove c'era una... perché Gian Maria aveva già in testa, poi vi spiego come è nato questo film. Beh, una macchina agricola, ma era arrugginita questa macchina agricola, e mi ci ha messo sopra lì, sotto il sole cocente, evidentemente 25 prese per ogni piano, sicché abbiamo cominciato a girare con il signor Renato Berta a mezzogiorno, tutti i giorni, era un settembre caldo, no? Come questo, in Toscana faceva un caldo, io sono arrivato che non ero nero come sono adesso, che sono stato in Liguria, ma ero bianco, dopo 2 giorni ero diventato Gheddafi, mi hanno chiamato tutti, ma questo qua diventa come Gheddafi, e alla fine avevo male al culo abbastanza, però è stata una grande gioia. Sto film è un aneddoto, perché gli aneddoti sono incontri. Jean-Marie era all'ospedale perché si era fatto rovesciare da una motoretta in plastic cliché,
E era in ospedale, si è fatto tanti mesi di ospedale, seguito da Barbara che è qua. E andavamo a trovarlo, Io in un certo momento gli dico, ci provochiamo, beh, è una provocazione affettiva molto forte, gli dico, ma porca miseria, hai fatto Pavese, Vittorini, hai fatto Corneille, hai fatto Herder, in tutto, sei italiano e non fai Dante. E lui dice, non è la mia storia. Però lui ci pensa perché dice, io sì, Dante, io conosco dei contadini liguri toscani che sanno tutto Dante a memoria, quello mi piace. Io invece sono un grande pseudo-intellettuale alla con, cioè, e ho fatto dei libri su Dante, ma un po', dei libri un po' strani, che Dante è un Dante materialista e tutto. Allora, e gli porto gli ultimi tre canti del Paradiso, dico, guarda un po' questo. Due giorni dopo, 13 piani, già tutto fatto, ultimi 64 versi del 33 del Paradiso. Rispetto, e poi quello, non ritorno su questa grande lezione di metrica e di recitazione, una recitazione senza intenzione, cioè dove il corpo dell'attore si svuota di tutta la sua psicologia con mesi e mesi di ripetizione, ed è per questo che credo che il problema della tecnica per Jean-Marie e Daniele, per adesso Jean-Marie, sia un problema reale, tecnica, sia a livello della voce, dell'immagine sonora, sia a livello dell'immagine visiva, ma è sempre una tecnica che non è mai un fine in sé. E questa qua è la cosa che credo sia veramente potente in Strobel. Strobel non crede al cinema per il cinema. Il cinema deve servire a qualcosa. E questo qua è una grande potenza del cinema di Strobel. Rossellini, lui lo fa in un'altra maniera. E rispetto a questo, solamente ancora un aneddoto, e poi vorrei venire a dire una piccola cosa più generale, ma che secondo me ha al cuore. Ultimo piano del Somma Luce, cioè questi ultimi versi un po' deliranti di Dante, che non si sa più qual è, cioè c'è una prosodia che... ma già volgeva il sole, l'amore, l'altre stelle, non me la ricordo neppure più, ma già volgeva il disio e il velle, l'amore che muove il sole, l'altre stelle, non si sa più chi volge chi. No. E alla fine lui mi filma, piano, e terribile, perché l'ultima parola è stelle, intanto era diventato buio tutto, c'era un grande sole, per cui siamo in un paradiso un po' strano, era diventata la natura formidabilmente, era diventata più, si era oscurata. E dura come sempre, Jean-Marie fa soffrire gli attori, cioè, quando uno finisce devi continuare a stare lì fermo e svuotarti del tuo respiro e soffrire. Io ho cominciato a vedere delle allucinazioni del verde davanti e al 53esimo secondo su questa macchina un po' agricola mi è venuto naturale di fare, meccanicamente, non ho fatto il pugno chiuso così. Subito dopo ero molto contento di questo. E questo pugno chiuso, che poi è l'idea di un Dante comunista, ma è venuta fuori così, non l'avevamo mai provata con Jean-Marie. Sono molto, dopo averlo fatto in maniera completamente inconscia, alla 20ª presa, abbiamo ancora fatto 5-6 prese. Presa successiva, sono molto fiero di me, pom, rimetto il pugno così, tagliata completamente, nel senso che ci sono state due versioni, nella prima versione c'è questo, perché è venuto fuori così, è una cosa che è piaciuta, ma dopo, quando diventa intenzionale, ecco, questo qua è il... ed è anche, per rivenire un po' alla questione dello straniamento, sì, siamo al di là dello straniamento e nello stesso tempo siamo ancora lì, cioè è un Brecht rinnovato, perché è anche il gestus. Nei film di Strobel ci sono pochissimi gesti, ma quando ci sono i gesti diventano dei miracoli. Se avete visto in Comunisten
la Barbara, la fine del primo impiso, la benedizione su Elio jusqu'all'apparizione dell'aurore, e gli ha Barbara che prende la mano di questo comunista che ritorna dalla sua donna e se la mette così. E questo gesto lì è... Allora, sì, allora il problema è come fare passare questo alle nuove generazioni. È questo il problema, io sono anche insegnante. Cioè, come fare passare questo alle giovani? Perché se rimaniamo tra di noi, e io credo che il cinema di Straub sia veramente un cinema, la fantascienza per le nuove generazioni. Ma allora la condizione, allora io mi permetto di leggere solo una frase di Gramsci, che mi sembra intonata come... Antonio Gramsci, chi è? Quando dice, allora, qual è la condizione perché questo incontro tra le nuove generazioni, e può essere fatto, perché io lo sperimento con i miei studenti a Lille, dove insegno, qua, è difficile, ma succede, e lì succede che questi ragazzi cambiano di percezione, vedono il mondo differentemente dopo aver visto questi film. Allora io credo che la sola condizione sia odio gli indifferenti, credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino o partigiano. L'indifferenza è abulia, parassitismo, vigliaccheria, non vita. Prima cosa. No, è un cinema che è fatto per dei cittadini e non, degli spettatori, già. Perché lo spettatore è blasé e indifferente, ormai, nella nostra società mass mediatica. Secondo proclama, 1919, la città futura, cosa dice Gramsci? Agitatevi alle nuove generazioni, agitatevi perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, organizzatevi perché abbiamo bisogno della vostra forza, studiate perché abbiamo bisogno della vostra intelligenza. Io credo che in questo caso allora l'incontro si può fare, perché il cinema di Straub ha fatto sempre del cinema per aiguiser, on dit en français, per rendere acuti dei cittadini e non per intrattenere gli spettatori, perché tutti i dispositivi filmici degli Straub, forma e materia contenuto uno nell'altro, condensano lo studio artigianale di una poesia materiale e la pazienza di un'agitazione organizzata, paziente, agitazione, sicché bisogna vedere in tutto il piano tutte le vibrazioni del piano. Non è vero che, che fa dei piani fissi, sono dei piani che sono la velocità istantanea della vita. Ed è in questo senso che credo che il cinema degli Straub, come diceva Jean-Marie, non è nient'altro che una messa a fuoco della vita, e da cui siamo un po' tutti lontani, addormentati, e svegliamoci. Grazie a Jean-Marie. Grazie. Tra l'altro lui mi diceva sempre che il cinema non è un linguaggio, è un mezzo. Questo l'ho sentito ripetere sempre contro l'idea, per 40 anni. Contro tutte le storie del cinema come linguaggio, lui ma è stato contrario. C'è una cosa di cui non abbiamo parlato, per esempio rispetto al lavoro che ha fatto a Buti. Abbiamo detto tutti che Buti era diventato la Monument Valley di Jean-Marie, e credo che, tra l'altro, Jean-Marie più di qualsiasi altro regista italiano ha fatto sentire la lingua italiana e fatto vedere l'Italia come materia reale. E volevo chiederti, forse a te Renato, come queste riprese che avete, cioè questo lavoro di lavoro nel bosco, nella natura, sono state un lavoro credo complesso dal punto di vista anche della messa mise en place dei mezzi. Chiedo. Sì, il lavoro con gli Straub, come dire, non è che ti confronti a delle difficoltà che nascono tutti i giorni, oh là là, non sai cosa. È un sistema nel quale piano piano entri, no? E l'importante è di essere attenti, di non tradire certi principi. Non so se mi spiego. Cioè, non è
non direi che è difficile andare in questa direzione, sì, perché sono delle pieghe che piano piano pigli con loro, e poi a un dato momento se ci arrivi a avere un dialogo, io parlo soprattutto con Jean-Marie nella misura in cui nelle riprese era soprattutto Jean-Marie per quel che riguarda la fotografia, ma è chiaro che Daniel contava, dico, stava lì, no? Per cui spesso si discuteva a 3-4 persone, però l'importante è di collaborare a un lavoro che parte in una direzione, ma non sono delle scelte pensate, riflesse, delle scelte, direi che sono delle scelte naturali al momento in cui fabbrichi. Prima sì, naturalmente, le motivazioni, cioè non è che si... Io spesso mi capitava di dire che si cerca qualcosa ma non sa necessariamente cosa ritroverai, e certe cose che ritrovi diventano, come dire, si positivizzano, non so se mi spiego, per cui bisogna sbarazzarsi di tutta una serie di cose che bene o male professionalmente c'è la tendenza a difendere. Allora lì no, via, bisogna sbarazzarsi di tutte queste robe qua, se non su un piano strettamente tecnico. Faccio per dire che a un dato momento una macchina da presa deve girare bene, non fare delle immagini che non c'è il fuoco, insomma queste robe qua, dico, ma che è proprio la tecnica allo stato zero. E a partire da lì, op, cominci. Come dire, tu parti in un'avventura, e ogni film, bisogna pur dire questo, che ogni film era un'avventura molto diversa, in ogni caso per me, molto diversa, e sorprendente. Cioè, faccio vedere che all'interno di questi schemi, direi, piuttosto rigidi, trovi una libertà assolutamente fenomenale, tanto quanto un attore all'interno, scusate, parlo, non voglio parlare a nome degli attori, ma un attore all'interno di un lavoro estremamente preciso, ci sono dei momenti di libertà che escono malgrado te. Certe cose che, come dire, creano una situazione tale dove puoi veramente sorpassarti. Cioè io penso in particolare ai film Piccole Equipe, stile il Franco Fortini, donc, Fortini Cani, che ho passato un grande momento, anche perché era praticamente il primo film di lingua italiana, per cui l'incontro con Franco Fortini non è mai, per me in ogni caso, non è stato un incontro mediocre, evidentemente. Tanto più che lui c'ha un rapporto con la Svizzera molto strano e interessante. Bref, ma con Franco Fortini spesso ci siamo trovati i due a lavorare nella stessa direzione, nella stessa roba, ogni tanto facciamo un po' il punto sulle cose. Cioè si faceva la stessa cosa, lui in un campo, io in un altro, ma si partiva nella stessa direzione. E questo spesso l'ho trovato con lui. Dopo in altri film... soprattutto se penso a Empedocle in lingua tedesca, per me era già un pochino più difficile. Il rapporto che ho con la lingua tedesca è un rapporto, diciamo, per intenderci, più musicale. Ciò che invece nel Franco Fortini c'era anche un contenuto che mi interessava per tutta una serie di ragioni veramente solido. Per cui ogni film è molto diverso, molto... non c'era una sola maniera di fare il film, contrariamente a quel che si potrebbe veramente, perché infatti tante persone che mi dicono un film di Stroh sono un po' ripetitivi, ma no, se guardi bene non è vero, non è vero, assolutamente, anzi. Il y a dalla salle, ci sono persone che hanno conosciuto Jean-Marie, je sais pas si toi, Jean-Claude, tu veux dire quelque chose? Renato Berta disait que le passage au numérique, en fait, pour Jean-Marie, et au niveau d'un tout petit film, Repas de Mimi Lichinque,
pour Daniel, ce n'était pas un changement radical. Je n'ai pas dit ça, mais vas-y, continue. Bon, il m'a semblé comprendre ça, et si je l'ai compris, c'est parce que ça me plaisait de l'entendre. C'est qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui se voit et c'est la vision. La vision au sens fort, comme on peut l'entendre en français, je ne sais pas, l'ambiguïté qui existe en français dans le mot vision, je ne sais pas si elle existe en italien, puisque vision, c'est le fait de voir, mais c'est aussi au-delà de voir, avoir des visions. C'est bon. Cette vision-là, dans ce sens, on peut l'avoir tout autant en numérique qu'en argentique. Maintenant, en effet, ce que tu n'as pas développé, c'est quand même les différences fondamentales au niveau de la lumière, etc. Et on a pu se demander, la question se pose même peut-être aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a de la lumière en numérique ? Est-ce que la lumière peut se mettre en équation ? La lumière, elle impressionne. Et elle impressionne, justement, d'une manière tout simplement chimique, l'argentique. Oui. Bon, mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est bien cette question de la vision. Et c'est chaque fois une vision. Faire le cadre, je ne dirais pas que c'est présenter les choses d'une manière correcte, parce qu'on ne fait pas le cadre, on le voit. Il y a une forme de saisissement qui se produit, et là on sait que c'est juste, ça doit être comme ça. Donc le cadre, il se trouve, mais ce n'est pas au bout d'une recherche, il me semble. Que, encore une fois, c'est une interprétation qui est peut-être à côté de ce que tu as dit ou de ce que tu dirais, mais faire le cadre, ça me gêne. Et pour moi, ça ne correspond pas vraiment à la façon dont dans les plans, dans les films de Strop, sont réellement une vision. Ce n'est pas d'avoir fait le cadre, c'est justement d'avoir vu dans ce sens-là. Quand je parle de faire, hein, c'est dans le sens de l'action. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas ce que tu viens de dire, je dirais que c'est plutôt une observation de caractère, disons, d'analyse des images une fois qu'ils sont faites, mais à un certain moment, dans le faire, il y a monte la caméra, descend la caméra, va à droite, va à gauche. C'est dans ce sens-là que je dis faire un cadre, dans l'action. Hein. Donc après, le résultat, effectivement, on peut discuter pendant des heures. Maintenant, au sujet du numérique, je vais vous raconter une anecdote qui est un peu difficile, d'une discussion que j'ai eue très violente, une des dernières discussions que j'ai eues très violente avec Daniel et Jean-Marie. On était sur Monteserre. Bref, on a commencé à parler de numérique, on a commencé à parler de DVD, et moi, en fait, je disais que de toute façon, le choix du numérique par rapport à la pellicule, ce n'est pas un choix que nous, on contrôlera. On ne contrôlera pas ce choix. C'est-à-dire qu'il y aura un passage ou pas, à un certain moment, au numérique. Et malheureusement, à un certain moment, on n'aurait plus le choix. Bref, tous les deux, je les ai eus sur le dos. Vous êtes tous des petits bourgeois, mais on était traînés dans la boue. Nous, on ne fera jamais du numérique. Comme quoi, il n'y a personne qui est à l'abri des contradictions, tu vois. Voilà. Mais surtout pas Jean-Marie. Hein ? Surtout pas Jean-Marie. Ben voilà. Et donc, heureusement.
Oui, absolument, absolument. Mais là, une fois de plus, j'ai envie d'ajouter que ça, c'est dans le faire et dans l'action, et que c'est au-delà des grandes affirmations. Je me suis confronté quand même à pas mal de cinéastes qui avaient des discours très organisés. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que ces discours, des fois, ils sont tellement organisés qu'ils sont très fragiles et que tu peux les transformer, enfin, que les circonstances, ils peuvent les transformer. Et si je raconte cette anecdote, ce n'est pas contre Jean-Marie et Daniel, au contraire. Je trouvais ça tellement touchant au moment qu'on a commencé à faire du numérique. Après, à l'intérieur du numérique, évidemment... Quand tu dis si la lumière existe, malheureusement, il faut faire un peu d'ordre dans tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait poser le même problème par rapport à la pellicule, parce que je trouve que c'est un peu un système manichéen de parler du photochimique et du numérique. Excusez-moi, mais je pense qu'il faut savoir de quelle photochimique on parle, parce que des pellicules horribles, il y en a quand même eu pas mal. Mais c'est valable aussi pour le numérique, c'est-à-dire que le numérique, de quel numérique on parle. Voilà. Si le numérique, c'est le numérique du contrôle des téléphones de Mme Merkel, je suis plutôt contre. Si le numérique, c'est certains résultats qu'on a obtenus sur certains films, je suis plutôt pour. Donc voilà, je dis, le discours, il est vraiment très large. Je trouve un peu dommage qu'on n'a pas parlé du Straub allemand, parce que c'est quand même aussi un cinéaste allemand, et peut-être aussi d'avoir pas parlé assez de ses impacts du contenu politique de Straub. Parce que si on voit ce film qu'il a fait, Nicht versöhnt, c'est un peu le programme de la politique des années 60 en Allemagne. Et lui, c'était vraiment quelqu'un comme Kluge, ou aussi comme Destler, qui a vraiment poussé cette politique à la fin des années 50, comme aussi Böll. Et je crois que ça, c'est un aspect assez intéressant et important de le voir aussi comme un cinéaste allemand qui a beaucoup travaillé aussi sur, ou fait ce impact sur la politique de ne pas d'être radical aussi dans ses propos politiques. Et je l'ai rencontré une fois en 75 à Cologne, et je ne sais pas, il y avait un film, je ne me rappelle plus le titre, mais il y avait une prise d'une petite voiture, peut-être une 500, qu'il y avait une image en avant et une image en haut. Je crois que c'est aussi Bertha qui a fait ce plan-là, je ne sais pas exactement quel film c'était. Et là, leçon d'histoire, ça. C'est celui-là, ok. Mais c'est à Rome. C'est à Rome, ok. Non, mais nous, après sa projection, on est parti à Cologne. Et là, on a levé le regard et on a vu cette ville qui, à moitié, était détruite parce que Cologne a été détruite 90%. Et en haut, il y avait toujours les ruines en haut. Et en bas, il y avait le commerce ou le Wirtschaftswunder, comme vous voulez, qui était là. Alors, c'était vraiment une analyse de la situation allemande après la guerre. Et c'est ça que Straub a mis ensemble. Et je crois que ça, c'est une image à Rome, mais c'est aussi une image que moi, je reconnais Cologne à ce temps-là. Et aussi Kafka, par exemple, n'a pas parlé, ou aussi Hölderlin, c'est tous des textes allemands. On doit, ou même Empedocles, c'est une chose qui pour nous était très, très intéressante de voir comme ce texte en allemand a été... prononcé ou a été représenté dans cette situation allemande. Seulement pour dire que c'est aussi un cinéaste allemand, où il a commencé là. Vous avez tout à fait raison. Oui. Je peux. Antigone, c'était en allemand, ouais, est-ce que oui, je sache. On a parlé de ça. Oui, je m'enchaîne avec vous, parce que je suis vraiment il faut un peu être bref, parce qu'il bref, faut... Bref, ouais. Je dis que... Pas seulement c'est un cinéaste allemand, aussi, comme un cinéaste italien, un cinéaste français, c'est un cinéaste international, mais je dis que Straub a toujours dit dans mes films, il n'y a pas de messages, sauf deux. Et les deux messages qui sont implacables sont en allemand.
Le premier, c'est l'utopie communiste de Hölderlin, quand le ver de la terre brillera à nouveau pour vous. Et le deuxième, c'est Schoenberg et c'est Moïse Aron. À la fin de Moïse Aron, il n'y a pas l'utopie communiste au sens, mais il y a cette phrase dans le troisième acte de Moïse, qui est Aron et en bas, le lac Matèse, etc. Et il dit, quand vous traverserez le désert, vous serez libre et uni à Dieu. Vereinigt mit Gott. Mais uni à Dieu, c'est-à-dire, et vous rejoindrez les buts. Mais le but n'est pas d'être uni à Dieu, parce que ce serait être uni à Dieu, tandis qu'il y a vereinigt mit Gott, il n'y a pas de verbe, mais c'est dans le désert qu'on est uni à Dieu. Après, qu'est-ce que ça veut dire uni à Dieu? C'est un Dieu très matériel chez Straub. C'est le Dieu, moi je pense que c'est plutôt une sorte de spinozisme du cadre. Hein. Mais la traversée dans le désert, et c'est dans le désert qu'il faut faire fleurir la terre verte. Et ça, c'est les deux grands messages de Straub. On a dit qu'il y a une mystique là-dedans, oui, mais c'est une mystique immanente, communiste en ce sens. Non, mais puis j'ai envie de dire. Penso che sia una bella chiusa questa. Ouais. Per... J'avais quand même envie d'ajouter une chose, c'est que c'est vrai que si, comment dire, si on rentre avec cette thématique sur comment on peut recevoir les films de Straub aussi au niveau du contenu, je crois qu'il faut avoir une discussion de fleuve très très longue. Malheureusement, très, très longue. Je dois interrompre. Mais c'est ça qu'a donné aux nouvelles générations. Hein. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Et la discussion peut continuer après. Chacun de nous, je crois que... on vous donne rendez-vous aussi à la projection des films de Jean-Marie qui sont là, et demain à la remise du prix dans la piazza. Et après, il y aura Sicilia dans la piazza. Je me souviens d'une mémorable projection sur la piazza de Schwarzsünde il y a plusieurs années. Donc, ça aussi, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup.